Salut tout le monde, c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur Waven et dans le quartier Terre les amis. Et on se retrouve pour aller combattre le boss de la zone. Donc du coup j'ai tout fait, on a tout fait en vidéo les amis. Il nous manque cette salle qui se débloque, je sais pas comment. Et du coup la gardienne qui est là, il fallait utiliser 20 clés pour la débloquer. Donc on va là, c'est la boss de la saison les amis. Enfin du truc, donc du coup let's go. Donc on est au combat 18, enfin à la salle 18 là. On va faire tranquillement, on va faire comme ça. Et on va rester là. Bon là il y a un peu de mob, ils ont un petit peu de PV quand même. Mais c'est pas grave, on va aller la combattre. Va se mettre là. Wow! Il réduit vachement lui. Wow, j'ai peur de me faire défoncer les amis. Ok. Donc c'est le parasoldat celui-là. Donc lui, il faut lancer un sort. Ah, il a pas passé. Ok, bon, c'est pas grave. Ah, ça m'a pas compté parce qu'il est mort. Putain, ouais, trop bien. Trop bien, trop bien, les amis. On essaye de se concentrer. Voilà, nickel. C'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire, nickel. Bon, en tout cas, on s'en sort plutôt pas mal pour le moment. C'est le plus chiant, c'est lui, là. Hein. Mais lui, il fait des sorts d'enfoiré, là. Oh, nickel. Oh, ça va être banger. Un fiche 100% de son attaque. Voilà, ça c'est parfait. C'est ce qu'on aime. Ouais, il vaut mieux que je tue lui. Voilà, comme ça je suis un peu soigné. Lui, il a que 60 PV. Ouais, c'est bon, normalement il est mort. Parce que je peux faire une charge plus mon auto-attaque. Du coup, c'est parfait. Et voilà. Hop, allez, on passe la salle 18, les amis. C'est parfait. Hop, 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 hop. 63 000 d'XP, monsieur. Ok, donc salle. Attends, merde, je suis arrivé de quel côté? Ah oui. Donc c'est par là. Ah, ok. Alors, du coup, pour cette salle, les amis, on peut tous les modifier. Et donc en fait, l'astuce, c'est qu'il faut venir là. Et en fait, il faut les remettre exactement comme ils sont. Ici, les mettre dans la salle suivante. Voilà. Donc, l'astuce, c'est vous faites un petit screen, et puis comme ça, au moins, vous savez exactement, vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours à chaque fois. Parce que chaque fois que vous faites des allers-retours, ça se remet à zéro. Donc moi, j'ai fait un petit screen. Voilà, donc le premier, il va comme ça. Non, ben si, le deuxième, il était bon, merde. Donc celui-là, il est bon. Le troisième, il va comme ça. Le quatrième, il va comme ça. Le cinquième, tac, c'est comme ça. Et le sixième, c'est pas comme ça, c'est comme ça, voilà. Donc là maintenant vous savez comment gérer cette salle. Et ensuite on va passer à la dernière salle. Qui est du coup la gardienne. Donc le boss du quartier
Terre, les amis. Let's go. Allez. One eternity later. Donc, les amis, on rattaque un peu le combat contre la gardienne. Donc, j'ai fait un gros cut dans la vidéo parce que j'arrivais pas. Donc, j'ai un peu amélioré le build. J'ai un peu joué d'une autre manière. On va voir si ça passe ou pas, les amis. Ah, on va commencer. Si ça passe seul combat, ça va être un peu plus compliqué. Attends. J'ai pas encore eu le sort de bouclier. Pour l'instant, j'ai pas perdu de PV. Il me reste que les 3 mobs. Ça a l'air de passer un petit peu mieux. Ah, j'ai mon sort de bouclier, donc ça c'est cool. C'est lui là qu'il faudrait que je tue là. Lui il fait chier là. Ah, on va le soigner un petit peu. Ça devrait passer là. Je pense. Ça risque d'être un peu tendu quand même. Posture parasoldat lorsqu'il subit une attaque. Affiche une attaque à l'attaquant. Ok. Donc là, normalement. Voilà, ça c'est bon. Ça risque d'être un peu tendu quand même. Hein. J'ai essayé de faire un bond pour aller taper lui. En fait, si je tue lui, lui c'est bon. Deux, et je peux faire. Ah bah nickel. En bas, alors là. Nickel. Bah, c'est parfait. Bon, bah, nickel. Ça sent bon tout ça. Donc, dégommage. J'ai une attaque. Bon, il faut attaquer CAC et après, je fais un sort. Là, j'ai tout pour. Oh, et il va s'arrêter à un moment. C'est bon. Allez, du coup les gars, on a passé la boss. Du coup, la gardienne. Ouh, bien. Œil de Tauros, manteau de Tauros, souffle de Tauros, 78 000 XP, 3 600 Kama. Mais ça, c'est parfait, les gars. C'est parfait, parfait. Donc, voilà, du coup, pour le boss. Et il me reste plus que cette salle-là, voilà, à faire. Et on aura terminé le quartier terre. On pourra attaquer le quartier feu, les amis. Vous avez vu, il y a énormément de vidéos qui sortent sur la chaîne en ce moment-là avec le Nécromonde. Je vais continuer de charbonner. Je vais continuer de charbonner pour vous faire le quartier feu, puis les autres quartiers qui seront à la suite. Regardez, on peut aller dans le quartier feu maintenant. Si c'est pas magnifique, tout ça. Voilà. Magnifique.
Donc du coup, les amis, ben moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas comme d'hab à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!